On est aujourd'hui à Saint-Germain-de-Grantham. On va visiter ensemble une des usines de la compagnie ADS. Et maintenant, si vous vous demandez ce que fait ADS, eh bien, vous avez juste à regarder autour de moi. Vous allez comprendre. Donc, ADS est le principal fabricant de tuyaux ondulés en thermoplastique haute performance en Amérique du Nord. On fournit une gamme complète de produits pour la gestion de l'eau et solutions de drainage également. L'entreprise a été fondée en 1966 et puis on exploite actuellement un réseau mondial de 4900 employés. On opère également 60 usines de fabrication et 30 centres de distribution. Avec la plus grande flotte de l'industrie, on possède 750 camions et 1350 remorques. Au Québec, on emploie actuellement près de 100 employés. On fabrique en majeure partie les produits qui sont nécessaires pour répondre à la demande québécoise. On est aussi fiers d'être membre de l'organisation Bienfait ici. Donc, rapidement, les produits qu'on offre chez ADS pour le secteur de la quincaillerie, on va offrir le drain sous différents diamètres, soit de 4 pouces jusqu'à 12 pouces. On a aussi une gamme complète de raccords pour le drain et les tuyaux à double paroi. On offre également des géotextiles et puis on a même un atelier pour fabriquer les structures faites sur mesure. L'usine du Québec joue également un rôle bien important dans la chaîne d'approvisionnement canadienne. Certains produits qui sont fabriqués ici au Québec vont être utilisés pour supporter la demande dans d'autres provinces au Canada, notamment en Ontario et dans les Maritimes. On est vraiment impliqué au niveau du développement durable. En tant que leader de l'industrie, on est fiers d'offrir des produits pour la gestion de l'eau de façon durable pour l'environnement. Puis ça, on le fait en utilisant du plastique recyclé pour fabriquer nos tuyaux. Et puis on en achète des millions de livres chaque année ici dans la province. On va même en acheter ici pour alimenter à l'occasion d'autres usines à l'extérieur du Québec. Grâce à notre intégration verticale au niveau de nos opérations de recyclage chez ADS, on est le deuxième plus grand recycleur de plastique en Amérique du Nord. L'année dernière, on a acheté 550 millions de livres de plastique usagé qu'on a ensuite incorporé dans nos produits. Autre statistique intéressante, avec la quantité de plastique recyclé qu'on a consommé pour l'année fiscale 2020, on a réduit les émissions de gaz à effet de serre de 730 millions de livres. Pour imaginer un peu ces chiffres-là, c'est l'équivalent de 66 000 voitures de moins sur la route. Ce qui est bon de savoir aussi également, l'utilisation du plastique recyclé dans nos produits prolonge la courte durée de vie des articles de consommation, comme les bouteilles de shampoing, les bouteilles de détergent à lessive, des récipients de produits ménagers courants. Donc, ces produits-là de courte durée de vie vont être transformés en produits qui vont durer plus de 100 ans, soit nos tuyaux. Donc, ici au Québec, au niveau du plastique recyclé, on va utiliser des flocons de plastique. C'est en fait du plastique qui a été déchiqueté puis nettoyé. On va également utiliser du granulé, qui est un autre type de plastique là, recyclé également. Donc, le drain français et le drain agricole, qui sont fabriqués ici, en fait, vont être fabriqués à partir de matières recyclées à 100 %. On fait beaucoup d'efforts également pour réduire notre empreinte écologique à travers nos différentes opérations. Donc, au niveau de notre flotte de transport, on va optimiser en permanence l'utilisation de nos véhicules. On va également choisir la meilleure remorque pour le travail en fonction des produits, du site de livraison et de la distance. Au niveau opérationnel, on a apporté beaucoup d'améliorations aussi au cours des dernières années. Dans le fond, on a une meilleure standardisation des produits, on a une meilleure gestion au niveau des changements de ligne pour la fabrication des produits. Quand un produit ne répond pas à nos normes, à nos standards de qualité, on va les repasser finalement dans le broyeur pour les réincorporer dans nos produits à la fabrication. Notre engagement à faire progresser les pratiques durables chez ADS ne se limite pas juste à suivre les tendances écologiques. En fait, c'est le cœur de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. On est fiers d'aider les communautés à créer des solutions durables pour la gestion des eaux en travaillant pour un avenir plus propre et plus vert.